un tel donneur que vous accordiez une grande importance à votre relation avec les États-Unis, que vous avez choisi pour faire partie de cette communauté si étroitement liée à ce pays. C'est incroyable ce que vous pouvez accomplir lorsque vous avez une communauté qui peut se faire confiance, qui peut travailler ensemble. Chères anciennes bénéficiaires des programmes d'échange du département d'État américain, c'est un honneur pour moi d'être ici ce matin à la deuxième édition de FestiviDay, la conférence annuelle des anciennes boursiers. À travers votre réseautage, notre objectif est de faire germer des idées concrètes qui génèrent des actions permettant d'inspirer le changement. Et je suis convaincue que vous êtes à l'auteur du défi. Moi, j'encourage aujourd'hui les jeunes qui cherchent du travail, s'ils n'en trouvent pas, à se lancer dans une entreprise, dans quelque chose qu'ils aiment, dans quelque chose où ils peuvent développer de la passion. On n'a pas besoin de commencer avec beaucoup. Nous, on le dit souvent, mon associé et moi, nous avons acheté le nom de domaine à l'époque qui coûtait 200 $. Il nous a coûté 100 000 francs. Donc, c'est avec 100 000 francs qu'on a démarré cette aventure-là. Donc, on n'a pas toujours besoin d'avoir beaucoup de moyens pour démarrer les choses. Donc moi, ma vision pour l'Afrique, c'est une Afrique avec des gens qui se prennent en charge, qui sont conscients de limites, mais qui travaillent au-delà de ces limites-là, et qui veulent justement braver les challenges, braver les difficultés, pour que, à un moment donné, quand on parle de l'Afrique, on ne parle que de choses positives. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, nous applaudissons la communauté. Comment faire en sorte que, après cette expérience américaine, on puisse mieux impacter le développement de la Côte d'Ivoire, mieux renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et justement, le thème Lead the Change nous appelle à être des acteurs clés du développement dans notre pays. Il faut dire que ce programme a été un véritable programme pour moi, parce que ce programme m'a permis de pouvoir, ici en Côte d'Ivoire, impacter près pratiquement plus de plusieurs générations. À commencer par l'université, et on a essayé de tout faire pour pouvoir apaiser nos espaces universitaires. Le but de ce programme, c'est d'aller aux États-Unis, apprendre et faire apprendre en retour à ces personnes qui n'ont pas profité. Alors ça m'a permis de plus m'optimiser sur comment la jeune fille peut devenir indépendante de façon, je vais dire, en entier, que ce soit financièrement, que ce soit personnellement. Mon thème, c'est quelle stratégie pour rendre l'impact des changements climatiques sur l'économie ivoirienne. Alors, il faut dire que quand on parle d'économie ivoirienne aujourd'hui, c'est surtout l'agriculture. Et donc, en amont, au CNRA, il y a une technique qui a été développée, après une recherche. Les résultats de recherche qui ont été trouvés au CNRA, c'est l'agroforesterie. C'est-à-dire que c'est une technique cultivable qui consiste donc à cultiver sur une terre, une petite surface, pour avoir une importante production. Et ce n'est pas vulgarisé malheureusement. Donc, en tant qu'Amouna, le travail que nous avons fait, c'est donc de faire des capsules, puisque je suis aussi formateur au niveau des radios de proximité. Donc, j'ai élaboré des capsules traduites dans les langues locales par rapport aux régions. Et nous vulgarisons ces capsules-là à travers donc, ces radios de proximité. Aujourd'hui, je travaille aussi à Radio du Nord sur un projet du FIDA à cet effet. Nous pensons franchement que les sensibilisations ouvertes au public ne donneront rien. Nous pensons que l'éducation sexuelle à l'école ne suffira pas. Nous pensons que ce qu'il faut à la jeune fille ivoirienne, c'est des systèmes de parrainage et de mentorat. Selon ma vie, j'ai fait ce qu'on appelle le bénévolat. Et ce bénévolat-là m'a permis non seulement d'aller aux quatre coins du monde, mais aussi
de permettre à d'autres personnes de croire en eux, à d'autres personnes de sortir des sentiers battus et aussi d'être au devant de la scène. Et ma solution nécessite juste zéro fond, c'est de prendre des fous comme moi, des personnes qui ont envie de partager un peu de leur expérience, de partager à d'autres, comme on l'a dit ce matin, de faire du give back et de partir dans les écoles, dans les universités et montrer le bienfait du bénévolat. Et un mot qui traduit cela, et c'est par là que je vais terminer, c'est le mot Ubuntu, que j'ai découvert en 2014 en Afrique du Sud, qui veut dire « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes ». Et je pense que si on arrive à mettre une communauté de personnes passionnées, fous, et qui ont envie de voir des changements, comme notre frère le dit, « le change », je pense qu'on pourra faire de ce pays un pays meilleur, où il y aura des jeunes qui seront responsables et aussi utiles à leur société. Personnel et à l'avenir. Merci beaucoup.